Elle proteste notamment contre le port du masque imposé par les autorités. Mais que demande-t-elle concrètement et pourquoi ne font-elles pas confiance au consensus scientifique? Le reportage de David Brichard. Stop aux mesures inadéquates pour lutter contre le coronavirus. Voilà pourquoi ces manifestants se rassemblent ce matin devant la Tour des Finances à Bruxelles. Port du masque obligatoire, distanciation sociale, interdiction de rassemblement, tout est remis en question ici. On vient contre le port du masque obligatoire, on n'est pas contre le masque, mais on est contre le port du masque obligatoire. On doit avoir le choix. J'ai 75 ans et je manifeste pour la première fois de ma vie parce que je trouve ces conditions inacceptables. On est en train de nous écraser de tous les côtés, quoi. Hein, on nous interdit d'aller à la plage, on nous interdit de partir en vacances. Quand on part, il faut qu'on remplisse des formulaires. On est suivi à la trace, en fait, et ça, on n'en a pas envie. Ici, beaucoup pensent que derrière la crise du coronavirus, il se joue quelque chose qui échappe totalement aux citoyens. Nous, on pense vraiment que c'est une très grosse mascarade pour cacher un petit virus qui cache d'énormes fraudes et donc qui cache le déficit mondial, la faillite mondiale. Et donc les bourses se sont écroulées et on a sorti le petit virus pour cacher tout ça à la population pour qu'elle ne se réveille pas. Le but, la vaccination. Il y a beaucoup d'argent qui vont être brassés grâce à la vaccination. C'est juste cela. Et les personnes qui parlent à la télévision, hein, professeur Van Raas ou Anne Linton, ben, ils reçoivent des petites enveloppes des lobbies pharmaceutiques. Ça, tout le monde l'a vérifié ici en tout cas. Nous sommes au courant. Barbara est assistante médicale dans une maison de repos. Pour elle, on a surtout laissé de côté de nombreux malades hors Covid. Nous avons assisté à une vague de panique sans précédent. Une vague de panique, ça oui. Nous avons eu des cas, des formes plus sévères, mais ces patients portaient déjà des comorbidités, ces fameuses comorbidités. Je pense au diabète, je pense aux déficiences rénales. Mais la grosse problématique que nous avons rencontrée, c'est le laisser pour compte des pathologies lourdes qui sont restées abandonnées à leur propre sort, leur triste sort. Voilà en tout cas l'avis de citoyens qui sont contre les mesures en cours. Ce matin, nous avons croisé des jeunes, des moins jeunes, qui souhaitent une chose, retrouver leur liberté. Oui, on laissera évidemment chacun la responsabilité de ses propos. On va rejoindre David Brichard sur place. Cette mobilisation va se poursuivre tout au long de l'après-midi. Comment ça va se dérouler concrètement? Eh bien, figurez-vous, Laurent, qu'à l'origine, eh bien, les manifestants devaient se rassembler au compte-goût de 11h à 17h pour éviter tout grand rassemblement. Mais force est de constater, vous le voyez derrière moi, qu'ils sont déjà plusieurs centaines à essayer de faire entendre leur voix. Vous l'avez entendu, hein, ils sont contre le port du masque obligatoire, contre la distanciation sociale. Mais rappelons-le, à ce stade, les experts de la santé recommandent chaudement de porter le masque et de garder une distanciation sociale. Mais le débat est crucial et il permet un dialogue entre ceux qui veulent la préservation de ces mesures et ceux qui ne le veulent pas, comme ceux qui sont derrière moi. Merci beaucoup David pour ce point en direct. Et ce genre de manifestations se multiplient dans le monde, notamment aux États-Unis, où elles sont de plus en plus fréquentes. Comme hier, dans le sud de la Californie, ces citoyens protestaient, eux aussi, contre le port du masque obligatoire. Doctor, usted conoce muy bien cuál es la situación. Ha estado desde el principio, desde que comenzó la pandemia, trabajando con pacientes con coronavirus. Actualmente está en el Hospital del Escorial, aquí en Madrid. ¿Exactamente cuál es? La situación es preocupante. Y ya podemos hablar de total saturación. Hay hospitales, estamos escuchando, que se están poniendo las pilas con más plantas. Pero, ¿podemos definirlo ya? Pues no, vamos a ver. Es que yo no sé exactamente a qué hospitales preguntáis, porque vamos... Es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero vamos, te voy a decir, hace la semana pasada en el Hospital del Escorial no había nadie, y ayer había tres, vamos, tres de más de 200, unas ciento y pico camas, ¿no? Es decir, que no me parece un porcentaje de saturación. Y quizá el hospital que está, han dicho como que es el que está más saturado, que es el 12 de octubre. El 12 de octubre era el que estaba quitando, les ha quitado ya las operaciones programadas, y que además también se están desplazando los pacientes en consultas externas, las que consideran de menor importancia. Sí, pues bueno, ayer los datos que daba la Comunidad de Madrid eran 75 ingresados. 75 ingresados en un hospital de 1.300 camas. Eso es, y 540 contagiados. Pero esos 540 contagiados son PCRs positivas, es que ahí es donde está.
centros de salud se dedican a hacer pruebas de PCR y hay mucha gente que lo tiene. De hecho, están ingresando en los hospitales, por ejemplo, tráficos, que les hacen una PCR positiva y entonces lo contabilizan como COVID, cuando es un tráfico. Lo que pasa es que, bueno, hay una confusión en esto de que están aumentando los números de COVID. Pues no es verdad. Están aumentando, pero no los pacientes con patología COVID. Patología COVID es la que vimos en primavera, cuando teníamos los hospitales saturados. Ahora está habiendo, sí, un repunte de casos, pero porque simplemente porque estamos haciendo muchas más PCRs. Y hacer PCR no quiere decir que estén contagiados, que estén enfermos necesariamente. Ahí, por ejemplo, en el hospital, en su hospital, exactamente, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Hay, sí, una forma de ponerse a punto de cara a septiembre, octubre? ¿Está todo el personal sanitario ya de regreso? Como están de vacaciones, como las autoridades, están de vacaciones como el gobierno, pues es que alarma no hay. Hay una situación de alerta, pero no es alarma. ¿Y reemplazo? ¿Reemplazo para doctores, para médicos, para enfermeros? ¿Hay? Eso no tengo mucha idea del plan que tienen previsto. Es como todo, la previsión que se hace de suspender consultas o suspender quirófanos, pues hacen pasa que no hay sangre en el banco o no hay personal. Lo de los pacientes todavía estamos por verlos, porque realmente verlos no los hemos visto, por lo menos como en primavera. Bueno, repito, 540 ingresados, contagiados y 70 en la UCI, ¿eh? Para dejar las cifras claras. Hay un libro que usted conoce muy bien, ¿verdad que sí? Se titula Coronavirus tras la vacuna. Entiendo que estará atento a la información que está saliendo. Vacunas, Rusia, Alemania. Ayer saltaban las alarmas, hoy parece que no la va a tener a punto para otoño. La de Pfizer, que parece que tiene un poquito más de eficacia. ¿Cómo lo ve? Bueno, sí, es cierto que es muy comercial hablar de una vacuna, sobre todo cuando previamente se ha metido miedo y se ha hecho creer que hace falta, porque claro, hay que colocarla. La cuestión es si realmente es necesaria, primero si es segura, segundo si es eficaz, y por supuesto el principal si es necesaria o no, porque si resulta que es cierto que están contagiándose tanta gente, digo yo, ¿para qué no te falta una vacuna si ya todo el mundo la ha pasado? ¿No? Un poquito la necesidad de una vacuna. Sí. Hay que vacunarse contra el miedo, porque eso sí, la alarma social que se está generando con esto, a los médicos desde luego nos deja perplejos. Nos deja entonces un mensaje de tranquilidad, pero yo insisto, porque llevamos una media de más de 1000 positivos al día en España. Vale. Y si miras, por ejemplo, el Helicobacter pylori lo tiene el 50% de la población española, y además es un carcinógeno tipo 1, o sea, dicho por la OMS, o sea, que la mitad de la población española tiene riesgo de tener cáncer de gástrico. Fíjate qué grave. ¿Es motivo de alarma, sale en los periódicos? Es que no es motivo de alarma. Respecto a la gente que está ahora de vacaciones, ya que estábamos citando, son muchos. Madrid, por ejemplo, está vacío, podemos decir. Las grandes ciudades sí que lo estamos notando, que la gente se ha ido de vacaciones. Ahora nos espera un regreso, septiembre. ¿Algún augurio? ¿Usted tiene una previsión de lo que pueda pasar o seguiremos siendo tan optimistas? Bueno, nosotros vamos, los médicos, por lo menos con los que yo trato, que son alrededor de 300 enfermeros y médicos repartidos por toda España, lo que tienen muy claro es que hay una maniobra para confinar a la gente ahora en septiembre, haciendo ver que hemos sido muy responsables durante el verano, porque estratégicamente es interesante y además nos viene muy bien a los médicos que no vayan los pacientes a los centros de salud que están cerrados y esas cosas, ¿no? O sea, que estratégicamente funciona bien, pero desde luego desde el punto de vista médico pensamos que poca chicha. Desde luego no esperamos un repunte como nos pasó. En primavera sí que era necesario que los medios de comunicación hubieran hablado de saturación, desborde, porque cuando sacábamos a los hospitales fuera, a los pacientes fuera de los hospitales, los llevamos a los hoteles porque ya no teníamos camas para albergarlos. En primavera sí. Ahora, antes había una pandemia y hablabais de ella, y ahora que no la hay, habláis de ella a todas horas. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, se trata de dar la noticia. Doctor, creo que nos han encendido un poquito las... Las alarmas. Bueno, aquí está generando sus palabras cierta crítica en el plató. Le contesta, va a hablar con usted Francisco Javier Barroso, periodista que está aquí en el plató. Mire, doctor, no sé o si le he entendido bien o a lo mejor nos ha explicado usted bien. Vamos a dejar una puerta abierta, porque decir que no hemos hablado de la pandemia durante marzo, abril, mayo, junio y hasta hoy es llamarnos tontos al resto de la población. Disculpe que sea tan sincero. Es que no hemos hablado de otra cosa, ha sido monográficos de 24 horas en todos los medios de comunicación. El tratamiento de la noticia no ha sido el mismo. Hombre, por supuesto que cada uno ha hecho el tratamiento que ha creído conveniente, pero decir que no se ha tratado la pandemia, como acaba de decir usted, ¿usted en qué mundo ha vivido? Discúlpeme. Dentro de los hospitales, amigo. ¿Usted dónde ha vivido? ¿Detrás de una redacción? No,
perdone, yo he estado en la calle, he visto muertos y he visto a gente enferma. Y le vuelvo a decir lo mismo, se ha tratado la pandemia. ¿Ha firmado usted certificado de defunción? No, mire, por desgracia no tengo esa suerte. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí, cada cual ha podido exponer su punto de vista. Luis, doctor, le agradezco que haya estado con nosotros, que nos haya atendido. C'est une grande dame, une belle dame autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une chanteuse, une comédienne. Et surtout, c'est une militante depuis l'âge de sa naissance. J'accueille chaleureusement Lucie Laurier. De se rappeler que le peuple, quand le peuple se pointe quelque part, ce n'est jamais une hostilité envers ceux qui nous dirigent. Si la société fonctionne, c'est grâce à son peuple. Il faut, nous ne sommes pas en quoi nous sommes censés nous soumettre à des directives déshumanisantes qui vraiment viennent complètement contraindre notre expérience de vie, notre possibilité à vivre pleinement. Quand on nous refuse l'accès à notre grand-maman, quand on n'a pas le droit d'être près des gens qu'on aime, quand ils sont prêts de mourir, c'est odieux, ce n'est plus humain. Je ne suis pas là pour ma gloire personnelle, je suis pour l'attention comme on essaye de faire croire. Je suis là parce que c'est criant. Il faut faire entendre sa voix. Nous sommes légitimes. Nous sommes le peuple. Nous sommes ceux qui font que cette société est saine. Je suis fière d'être avec vous. Je suis fière d'être à vos côtés. Aimons-nous. Moi, je dis aux gens qui portent le masque, vous n'avez pas à hypothéquer votre santé pour moi. Vous n'avez pas, le ministère de la Santé n'est pas propriétaire de notre santé. Il fait la promotion d'un type de santé qui est imposé par l'industrie pharmaceutique. Se poser des questions sur qui finance nos institutions, sur qui nous dirige, qui prend les décisions, ce n'est pas du conspirationnisme. Ce n'est pas du complotisme, c'est être un citoyen avisé, averti, qui a conscience de sa propre capacité à prendre des décisions. Il faut arrêter d'être dans la pensée anecdotique, OK? On essaie de nous... Il faut arrêter l'épopée, un camp contre l'autre. Nous sommes tous ensemble à vivre cette expérience humaine de la façon que vous voulez. C'est pas une religion, c'est pas... C'est ça la liberté de conscience. Nous n'avons pas à nous faire imposer la vie. On ne se fait pas dicter. Quand on se fait dicter comment on doit vivre, dicter nos agissements, dicter qui on a le droit de visiter, c'est de la dictature. Il a raison, Joël, quand il parlait de la liberté, on ne la demande pas. La liberté, on l'exerce. C'est pas une question de mouton, c'est pas une question de... C'est une question de vivre sa vie. Vous rendez-vous compte du drame d'imposer des masques, de masquer des enfants? Est-ce qu'on a oublié à quel point l'enfance est porteuse d'émerveillement, de magie? Moi, là, si on m'avait privé de petites mimiques de mon fils, là, quand il était petit, là, un enfant, ça témoigne tellement d'expressions, de sentiments par leur petite bouche, par leur... Voyons donc, c'est se priver de souvenirs, c'est se priver d'approfondir notre relation à l'autre. Je suis une actrice, c'est ça mon métier, d'exprimer, de faire des expressions pour exprimer des émotions.
Tant mieux si je gagne plus ma vie avec ça, je m'en fous. Ce que je vais exprimer, c'est la vérité. Et la liberté, parce que j'ai beaucoup lu dans les journaux des journalistes dire liberté, 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 comme si pour parler de liberté, il fallait avoir un accent du collège Jean Brébeuf. La liberté, elle appartient à tout le monde, c'est-tu clair? Nous ne sommes pas aujourd'hui en opposition avec des autorités, nous sommes là pour leur rappeler que c'est nous qu'ils servent. Le peuple, OK? Et les gens des régions, les agriculteurs, les petites entreprises aujourd'hui qui souffrent et qui vont souffrir encore plus. Et devinez à qui ça va profiter? Ça va profiter aux grandes multinationales. C'est pas du conspirationnisme. Je suis pas en train de vous parler de la Terre plate. Je suis pas en train de vous parler des reptiliens. Je suis en train de vous dire que nous avons tous une valeur intrinsèque et qu'on n'a pas le droit de se faire dicter comment vivre par des abrutis qui gère mal toutes les situations de crise. Donc oui, je parle fort, oui, je suis une grande gueule, puis je vais vous dire la vérité, je pense que c'est pour ça que je suis faite de même. Il fallait que je sois là aujourd'hui parce que moi, je ne vivrai pas avec ça. OK, nous sommes tous légitimes, tous. Quoi que l'on croit, quoi que... On s'en fout. L'important, c'est que nous avons une valeur. Et ne masquons pas les enfants. Ça, c'est... Nous ne devions... Qu'est-ce si on masque les enfants à l'école? Si on vit une vie avec la distanciation sociale, si notre gouvernement... Le gouvernement... Je l'aime... Je suis souvent humoriste, mais bon. Mais quand le gouvernement nous dit « s'immisce dans notre chambre à coucher », là, « hey, c'est quoi ces pervers? C'est quoi cette perversion? C'est quoi cette affaire-là? Des... Voyons, débarrasse, ça n'a aucun rapport. On a le droit d'aimer, on a le droit d'aimer qui on veut. Et moi, je vais vous le dire, ils veulent former des automates. Ils veulent former des employés. Nous ne sommes pas que des employés. On peut être des employés, mais nous ne sommes pas que des employés. OK? On a le droit de vivre notre vie à part entière. On a une vie après le 9 à 5. Les agriculteurs, qui, hey, c'est important, là. Ils vont s'accaparer. Je suis désolée, ils veulent favoriser les gros acteurs efficaces. Allez lire Agenda 21, allez lire Agenda 2030. Allez, ce ne sont pas les journalistes qui nous accusent de faire des recherches, puis faites vos recherches, c'est donc, mon Dieu, l'université de la vie, c'est donc déplorable. Hey, je m'excuse, là. Si tu t'empêches de réfléchir parce que tu n'as pas un bac en philo, il y a un problème. OK? Fait que si tu t'occupes pas de ta santé parce que tu n'es pas médecin, il y a un problème. Bref, moi, je vous aime. Je trouve que le Québec est beau. J'espère vraiment qu'un jour, on se dirige vers un apaisement avec nos proches, avec nos amis qui ne pensent pas comme nous. C'est pas grave. C'est ça la diversité. Il faut arriver vraiment à la vraie diversité. La vraie diversité, c'est pas une question de couleur. C'est une question d'être libre de penser, d'expérimenter notre pensée comme on veut et notre expérience de vie. Je vous dis merci d'être là. Je vous souhaite une belle journée. Bravo. Essentiellement de dire qu'on est en présence
d'une crise sanitaire manufacturée de toutes pièces. On le sait, on a entendu le docteur Arruda dire que chaque année, il y a 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. De toute façon, cette année, ils ont tous été comptabilisés COVID pour nous faire peur. Ils ont utilisé la méthode du lien épidémiologique. Là. Tu sais, ça sonne scientifique, ça fait peur, là. Mais essentiellement, c'est juste de classer tout le monde, tous les cancers, tous les AVC dans un CHSLD où est-ce qu'il y a eu seulement un cas présumé, comme tous morts du COVID. Ça, vous le savez, je pense. Tous les pays, tous les États aux États-Unis, tous les États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique ont à peu près 5 fois plus de décès que ceux qui ont utilisé la méthode normale qu'on utilise quand il y a une grippe, c'est-à-dire compter ceux qui sont effectivement morts de la grippe. 5 fois plus de décès. C'est pour ça qu'au Québec, on a comme des 5 000-6 000 décès, qu'on a comme à peu près 80% des décès au Canada. C'est juste de la fraude statistique, c'est juste une façon de compter. Il n'y a pas plus de personnes qui sont mortes du COVID au Québec qu'en Ontario. C'est juste la façon de compter qui sont changées pour nous faire peur. Dans beaucoup des pays, dans beaucoup des États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique, maintenant, on commence à revoir à la baisse ces chiffres-là. Il commence à avoir des révisions de chiffres, on coupe par moitié les morts, etc. Ça ne se passera pas au Québec, évidemment, parce que le docteur Arruda a bien pris soin d'effacer ses traces. Hein? Il a dit qu'il n'allait pas avoir d'autopsie pour les cas présumés de COVID, c'est-à-dire tous ceux là, qu'on a rentrés dans le lien épidémiologique, mais on ne vérifiera pas s'il y a eu un crime, une fraude statistique. Il a couvert ses traces, l'hostie. Ça, ça serait intéressant que la police enquête là-dessus aussi. Donc aux États-Unis, seulement aux États-Unis, on pourrait parler des chiffres en Italie, mais seulement aux États-Unis, seulement 6% des décès enregistrés, catégorisés comme COVID, sont morts effectivement du COVID. Les 94 autres pourcents, c'est de la comorbidité. Vous comprenez, c'est pas juste du COVID. Donc, selon les chiffres du CDC, sur les 150 000 personnes qui sont mortes apparemment, là, selon les chiffres du COVID aux États-Unis, il y en a seulement 9 000 qui sont effectivement morts du COVID. Les autres, c'est comme au Québec, ce sont des cancers, des AVC, puis incidemment, on teste en fin de vie, là, puis là, le patient a la COVID, fait qu'on va le classer automatiquement COVID. Pas cancer, pas AVC, on le classe COVID. Vous comprenez que si on opérait de cette façon-là avec la grippe, on aurait une pandémie à chaque saison grippale. C'est de la fraude. Le COVID n'est pas une maladie dangereuse. Elle se comporte exactement comme tous les virus respiratoires que l'humanité a rencontrés. Ça arrive pendant l'hiver, ça s'attaque aux personnes faibles, aux personnes qui ont des conditions médicales graves, puis ça disparaît au printemps, comme ça a disparu au printemps, puis ça revient pas. Le COVID a disparu comme la grippe à chaque printemps. Contrairement à ce que le docteur Arruda essaie de vous faire croire, il essaie de dire « c'est nos mesures de confinement qui ont fait disparaître le COVID ». Ben voyons donc! Ça fait 3 mois que l'épidémie est terminée, mais les médias et le gouvernement continuent à nous embrigader dans un système de contrôle social toujours plus contraignant, en faisant croire frauduleusement au public qu'on est toujours dans une pandémie dangereuse. Les salopards, comme on dit à Radio-Québec. Ce sont des mensonges. C'est des mensonges. Ils mentent à la population avec la complicité des médias. Il y a un mot pour ça, c'est salopards ou bien crapules. Ouais, assassins aussi, hein, en tout cas, ça resterait à éprouver. C'est à la police de faire son travail pour ça. On n'ira pas jusque-là en public, là. Entre nous, on sait c'est quoi. C'est à la public, c'est à la police à faire ce travail-là. OK? Les autorités sanitaires nous ont fait peur avec le virus pour nous assigner à résidence. C'était juste pour 2 semaines, pour aplanir la courbe. Ils nous ont finalement incarcérés pendant 2 mois en nous mentant, pendant qu'ils faisaient le ménage dans les CHSLD avec des politiques de santé publique désastreuses et délibérées.
Ils nous ont menti sur les masques à l'arrivée du COVID. Puis à la fin, pour les rendre obligatoires, ils nous ont menti aussi. Alors que le virus ne pose plus aucun danger, il ne fait plus aucun mort. Ils nous ont aussi menti en disant qu'il allait falloir attendre jusqu'au vaccin pour suspendre les mesures, les mesures d'urgence sanitaire. Mais là, qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière? C'est que non, ça va continuer même après le vaccin. Ça va continuer de façon indéfinie, les mesures d'urgence sanitaire. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. C'est du contrôle social. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Si on ne se lève pas, ils vont nous embrigader, ils vont nous emprisonner, ils vont passer toutes leurs lois liberticides. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Ils sont drogués au pouvoir. Les gouvernements sont drogués au pouvoir. Contrôler la population, contrôler socialement une population par la peur, en créant artificiellement une crise, c'est la définition classique de la dictature et de la tyrannie. C'est ça la définition de la tyrannie. C'est ça qu'on voit au Québec. Toute la philosophie politique occidentale depuis près de 200 ans a tenté de mettre sur pied des mécanismes pour éviter ce genre de prise de contrôle politique de la part des gouvernements. La tradition démocratique québécoise a été bafouée et piétinée par le gouvernement Legault. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Québec. Le gouvernement Legault n'est pas seulement en train de détruire la classe moyenne à travers les faillites d'entreprises en cascade. Il est en train de détruire psychologiquement une génération entière de petits Québécois. C'est pour ça qu'on se bat. Surtout considérant le fait avéré que le virus est 10 fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. 10 fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. Ça n'a plus d'allure, il n'y a plus aucune. Ces mesures d'urgence sanitaire ne sont pas basées dans la science ou dans la médecine. C'est simplement des mécanismes politiques de contrôle social. Et donc, le contrat social est brisé entre la population et le gouvernement. C'est pour ça qu'on demande l'aide de la police. Avec nous, la police, 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 avec nous, la police. Donc, la police doit rapidement enquêter sur les raisons frauduleuses. T'sais, les raisons frauduleuses, on les a exposées, nous autres. Vous les connaissez, on les connaît. Comment ça se fait que la police n'est pas au courant de, cette fraude statistique-là? Ils devraient le savoir. Les chiffres sont disponibles. Arruda a parlé, on a regardé les taux de décès. Ils devraient le savoir. Ce sont eux, les enquêteurs chevronnés. C'est pas nous, les citoyens ordinaires. C'est eux qui devraient faire la job. Donc, la police doit rapidement enquêter sur les raisons frauduleuses qui ont mené à la suspension indue de nos droits et libertés. De faux prétextes ont été mis de l'avant pour museler la population, pour nous faire passer dans un système politique totalitaire. La police doit résister à ce coup d'État en douce et respecter leurs promesses de servir et protéger. Comme les médecins se doivent de respecter leur serment d'Hippocrate et de permettre la chloroquine. De ce jeudi au Drazo, les anti-masques l'adorent. Une médecin alsacienne est suspendue. Le docteur Ève Angérer est installée à Vangenbourg, près de Saverne. Elle est sanctionnée, effectivement, pour avoir fait circuler des certificats, des faux certificats médicaux que chacun pouvait utiliser pour ne pas porter le masque, avec écrit dessus qu'il y a une contre-indication médicale à le porter. Tollé, évidemment, dans le milieu médical, l'ARS la suspend pour au moins 5 mois. Mais malgré tout, Ève Angérer persiste et signe. Pour elle, le masque est dangereux. On n'a pas besoin d'être médecin pour comprendre ça.
Vous savez que dans l'air, vous avez de l'azote qui se transforme en protéines dans votre corps. Il y a d'autres médecins brillants qui ont fait plein de vidéos. Donc, j'ai pas envie de polémiquer encore sur le masque. Mes collègues du Conseil de l'Ordre qui m'ont convoqué, eux m'ont dit qu'elles écoutaient les ordres de l'OMS, les ordres de Bill Gates. Quand je sais que les médecins conseillers du gouvernement sont achetés par les laboratoires, comment voulez-vous que j'aie confiance et que je puisse croire ces inepties ? Ce discours trouve un écho, vous l'aurez compris, parmi les anti-masques et les adeptes de la théorie du complot. Scandaleux, inacceptable pour le président de l'Ordre des médecins dans le Bas-Rhin, le docteur Letzelter. Oui, il peut éventuellement y avoir des contre-indications, mais les contre-indications ne peuvent concerner que des gens qui sont en insuffisance respiratoire majeure, par exemple, donc qui de toute façon ne sortent pas. Hein. Ce certificat n'a aucune valeur. Il y a comme ça quelques cas qui se développent de médecins anti-masques. Effectivement, de pharmaciens nous ont signalé quelques médecins qui déconseillaient à leurs patients de porter des masques. Nous allons évidemment essayer de remettre ces médecins, j'allais dire, dans le droit chemin. Bon, je pense que c'est une minorité, mais bon, il est évident qu'on ne peut pas laisser passer ce discours. Et l'ARS a récupéré quelques ordonnances chez cette médecin alsacienne, ordonnance apparemment frauduleuse. Elle pourrait donc la poursuivre pour charlatanisme. C'était un reportage de Théo Hetsch. Pour réagir un petit peu à tous les postes que j'ai vus, et notamment ces médecins allemands qui s'unissent, c'est le ACU, je crois. Vous pouvez aller sur le site de Fabien Mas, retrouver cette vidéo. Également de cet avocat qui a sorti ce papier officiel pour dénoncer justement le port du masque. Également la vidéo d'un curé qui dénonce donc la franc-maçonnerie avec museler le peuple. Voilà, donc ce masque, moi je choisis de ne pas le porter. On sait aussi les faux chiffres de la pandémie. Une personne dépistée n'est pas malade, hein. Une personne dépistée positive n'est pas malade. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup de faux décès étiquetés Covid. Tout ça, on le sait, le mensonge, on le sait. Donc je voudrais me positionner en tant que médecin, un médecin généraliste, homéopathe, un médecin basique, installé, ben j'étais avant en PMI, je faisais des vaccins, j'étais médecin scolaire aussi, donc j'ai vacciné tout le monde contre l'hépatite B. Et puis j'ai repris mon esprit critique. Voilà, je me suis payée mes formations d'hypnose humaniste, d'homéopathie, je suis allée à Paris pour me former. Voilà, donc j'ai la chance de pouvoir travailler, également de voir un peu l'Alsace, le Bas-Rhin, d'aller dans les secteurs Neuhof, Neudorf, également Molsheim, et sur le secteur de Vasselon. Et je voudrais répondre à tous ces ministres que j'entends, on met le masque pour prendre soin des autres. Faux. Faux. C'est faux. C'est pas le masque qui va prendre soin des autres, d'accord ? Prendre soin des patients, c'est interdire ces médicaments que l'on dénonce depuis peut-être 30 ans, les psychotropes en France, avec la montée du burn-out des psychotropes. C'est ça, protéger les gens. C'est arrêter ces médicaments Big Pharma et en donner d'autres proches de la Terre, Griffonia, Rhodiola, le Millepertuis, s'il n'y a pas d'autres médicaments. Il y a d'autres, le safran, il y a plein de choses qu'on peut donner, la ashwagandha, pour booster le moral. C'est ça, prendre soin des gens. C'est arrêter les médicaments qui détruisent le corps, comme les statines. Hein. Les statines ont été dénoncées, il y a des médecins qui ont écrit des livres là-dessus. C'est toujours prescrit, d'accord ? Et toutes les personnes âgées ont ces médicaments. Hein. Hier encore, je suis de garde sur le secteur de Vasselon, je vois des personnes qui sont intoxiquées de médicaments, de vraies usines chimiques. Donc, que voulez-vous que je fasse en dehors de donner des conseils de bon sens par rapport à l'alimentation? Parce qu'en Alsace, on est des bons mangeurs. Mais si un diabétique va s'intoxiquer encore et encore, qui va suivre les recommandations d'une diététicienne de l'hôpital qui va lui donner un tout autre discours que le mien,
Que voulez-vous que je fasse en dehors de soulager une douleur, ce que j'essaye de faire? Mais ce qui est très important pour protéger les personnes, c'est de leur donner la possibilité de garder la santé avec un bon moral. Or, ce qu'on entend là, ce qu'on a entendu des présidents, des ministres, c'est vraiment pour casser le moral. Du reste, ça a été dénoncé par Martine Vonner, qui est députée et psychiatre. Hein, la montée des consultations en psychiatrie et des médicaments psychotropes, toujours prescrits. Donc, prendre soin des gens, messieurs le ministre, c'est pouvoir arrêter les épandages, pouvoir arrêter les pesticides, parce que tout ça, nous le prenons dans notre corps, nous le respirons. Hein. C'est arrêter toutes ces pollutions, également tous ces mensonges, hein, parce que moi, je suis un médecin conscient, hein, je les vois, ces mensonges. Je vois aussi la peur des gens, ça me désole. Donc, j'ai encore plus de travail, et c'est pas un travail qui me satisfait, non. Voilà. Donc la santé n'a pas de prix. Prendre soin des personnes âgées, c'est arrêter de les vacciner tous les ans, parce qu'on sait que les vaccins sont en mensonge. Je vous renvoie sur les sites du docteur Fourtillan, du docteur Talchaler, de tous les Sherlock Holmes qui ont dénoncé le mensonge de Pasteur. Voilà, tout ça c'est clair, c'est à la lumière, c'est écrit dans les livres. Il y a des recherches là-dessus. Donc, qu'on s'en tienne à prendre soin des gens simplement, en supprimant les pollutions, en leur donnant des aliments de qualité. Nous avons le même métabolisme que le gorille. Hein. Le gorille, il respire la lumière. Ça fait du bien au corps. Il respire également l'air. Dans l'air, vous avez de l'azote qui est transformé en protéines. C'est pour ça que les gorilles sont bien musclés, hein, et respirent l'air, voilà. Les masques, c'est la franc-maçonnerie, messieurs les ministres, on n'est pas dupes. Et moi, je suis médecin, je sais que la santé n'a pas de prix, et je défends la santé des gens, je dénonce l'arnaque, d'accord? La santé, c'est une alimentation saine, je vous renvoie sur les sites du docteur Irène Grosjean, de Nelly Kiel, qui est sa fille. Il y a également le docteur Sylvie Grosjean, je crois qu'il est médecin urgentiste. Voilà, c'est ça la santé des gens. Hein. Et je me demande si tous ces problèmes pulmonaires ne sont pas dus à la 5G, à toutes les pollutions qu'on se prend. Hein. En Chine, il y a particulièrement une pollution. Donc, on s'occupe de ça, messieurs les ministres, si vous voulez prendre soin des gens. Non, la muselière, non. Non, c'est non. Voilà. Je suis un médecin et j'ai été confinée, mais je ne suis pas confinée. D'accord? Voilà. Donc, la santé, ça n'a pas de prix. Et pour nos enfants, pour nos bébés, les 11 vaccins, c'est terminé. Les gens ont vu le scandale de Bill Gates, ont vu tout ce qu'on inocule à leurs enfants. Donc, ils vont choisir. 11 vaccins pour un nourrisson de 2 mois, c'est terminé, d'accord? Le corps fonctionne en se détoxifiant, donc le virus est l'éboueur du corps. Si j'entends un politique me dire qu'il va partir en guerre contre un virus, alors qu'il a ses deux parents médecins, alors je me dis que c'est un malhonnête, je me dis que c'est un... Il y a quelque chose qui colle pas, qui a une arnaque, et je l'ai tout de suite senti dans mon corps. Donc, on ne me la fait pas, j'ai 60 ans, d'accord? La santé, c'est simple, la santé, c'est la joie, la santé, c'est une alimentation saine, voilà. Et je sais qu'en Alsace, ben, on aime la bonne chair, on aime bien manger, c'est ok. Moi, j'ai désappris tout ça, j'ai fait une cure avec Nelly Kiel, qui s'est guérie d'un cancer du foie. Donc, je vous renvoie sur son site, Nelly Kiel. Oser se nourrir de lumière, ça m'a fait un bien extraordinaire. Et mon corps choisit ce qu'il veut manger maintenant. Et je suis en meilleure forme. Je dors un peu moins. Je suis encore plus claire dans mon esprit. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaye d'apporter aux gens, l'éducation à la santé, parce qu'on oublie tout ça. On maintient l'ignorance également pour les étudiants en médecine. On ne leur apprend pas les bons outils.
les outils utiles qui existent depuis 30 ans, comme l'EFT, l'énergétique. Hein, je vous renvoie sur le site du docteur Luc Baudin. Voilà, des médecins homéopathes qui aident à détoxifier le corps. Et, messieurs le ministre, le Conseil national de l'Ordre des médecins demande la suppression de toutes ces médecines qui détoxifient le corps. Et voilà, donc il va y avoir plus d'urgences importantes. Donc les médecins urgentistes se plaignent d'avoir trop d'urgences importantes. Mais si nous, les médecins de terrain, on ne veut plus de nous, on nous supprime dès qu'on contribue à la santé de façon simple, sans Big Pharma, eh bien, quoi d'autre est possible, hein, je renvoie tout ça, toutes ces idées, toutes ces réflexions, toutes ces questions. Voilà, prendre soin des personnes âgées. Je ne suis pas dupe, messieurs les ministres. Hein, les personnes âgées ont 15 médicaments en moyenne. Leur corps est une véritable usine chimique qui ne peut se détoxifier. Quand un virus arrive, c'est fatal. Donc, revoyez un peu tout ça, les recommandations médicales opposables, et qu'on s'occupe de revoir toutes ces enquêtes par rapport aux lipides, hein, par rapport au diabète, etc. Moi, je vois aucun diabétique qui soit supplémenté en chrome, en cannelle, avec des règles diététiques ou des possibilités de transformer la flore intestinale. Il y a de la recherche là-dessus. Je crois même que le doyen de la faculté de Strasbourg a fait des recherches sur ça avec le professeur Luc Montagnier, qui est prix Nobel. Voilà, donc on change la flore intestinale et le corps n'a plus d'envie de sucre, hein, ou d'aliments qui l'intoxiquent. D'accord ? Nous sommes comme le gorille. D'accord, le gorille se nourrit de fruits et de végétaux.